Coucou. Et coucou tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Tant que j'y pense, si le cœur vous en dit, pensez à nous encourager en likant, commentant, partageant. Abonnez-vous. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Notre blog www.familiebetoul.com. Et donc aujourd'hui, alors en fait hier on n'a rien fait, on devait aller se balader et en fait on n'a pas eu envie de se balader. Alors on s'est écouté, on n'a rien fait hier. Et aujourd'hui, putain, on a failli rien faire encore parce qu'en fait on s'est dit on va se balader et en fait grosse averse, temps de merde. Et au final, bah regardez. Oui, il fait super beau. Hein bon, c'est enfin, chaud même. Il y a 5 minutes sur la route, techniquement, on a eu une grosse averse, on s'est dit mince, on va se retrouver, on va rentrer. C'est la période, mais c'est on ça. Va profiter de beau temps là. C'est ça, donc là nous sommes à Tshuti. Nous sommes à Tshuti. Alors, on vous en parlera un petit peu plus pour vous dire exactement ce que sont les jetties. Là, pour le moment, on est juste devant l'entrée. Allons-nous revenir ? Uh-huh. On ne sait pas. Uh-huh. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Bon, ça y est, là, on est sorti de Tshuti et on est en train de se balader dans les rues de Georgetown. C'est petit mais génial. C'est petit mais génial. Et donc voilà, là, on se balade dans les rues de Georgetown. On va un peu à l'aveugle. Alors, Julien, on regarde un petit peu quand même parce qu'on va chercher un endroit pour manger. Mais c'est quand même plutôt sympa. Hein. Très passant. Mais bon, normal. Hein. 'Cause our names are...
À midi, on mange dans une espèce de cantine à côté de chez nous. Et alors, on ne sait pas trop ce qu'on prenait, mais ça a l'air super bon. Julien a pris quand même un porridge, il avait marqué porridge. Et nous, c'est une espèce de ramen, enfin, des noodles plutôt. Et les filles, donc il y a du riz avec du porc. Coucou, bon, j'espère que vous allez tous bien. Je n'ai absolument rien filmé du tout de toute la semaine. Alors c'est vrai que c'est habituel ces derniers temps, mais alors là je n'y ai même pas pensé. On n'a même pas de sortie de vidéo la semaine dernière, enfin dimanche. J'étais malade et du coup j'ai pas pu préparer, j'ai pas eu le courage, enfin voilà. Là c'est le dernier jour où on peut visiter à Georgetown. Donc là on se balade tranquillement, on cherche pas à avoir un truc de précis. On se balade, on va manger. Là, les filles elles viennent de voir un chat. Donc, elles caressent le chat, vous voyez. Hop. On a vu du nouveau street art qu'on n'avait pas vu la dernière fois, comme ce magnifique chat. Enfin, voilà, parce qu'on part dans 2 jours de Georgetown et dans 3 jours de la Malaisie. Donc, c'est cool, on est content. Cette ville, on a vraiment beaucoup aimé. Hein. Georgetown. Je pense que c'est quand même une étape à ne pas manquer dans le coin. Bon, sur ce, on va continuer de découvrir tranquillement et puis on va aller manger. Franchement, c'est magnifique. Et cette petite ruelle, venez vous perdre dans les rues ici. In the darkest hour, I wanna come for you. I know you've been alone. Oh, where do we go? In your head, in the real world, the snow. Bon, alors, ça y est, viens, nous sommes je me tourne. À Kukongsi. Donc, alors, Kukongsi, je vais essayer de le dire en 2 minutes. En fait, c'est un endroit où les Chinois venaient quand ils sont venus en Malaisie. Oui. Et en fait, ils se regroupaient dans des... Alors, c'est dans des Kongsi. C'est pas dans les coups, c'est dans les Kongsi. Voilà. Et en fait, ils se regroupaient ben, pour pouvoir se développer ensuite. En fait, ça faisait comme une communauté. Voilà. Et en fait, ce Kongsi, c'était leur banque, en fait. Et donc, ça leur permettait d'avoir de l'argent emprunté au départ pour pouvoir se lancer. Mais surtout... Ce qu'ils ont continué d'ailleurs avec les familles, hein, les Chinois. Oui, c'est ça. Fonctionne comme ça. Hein. Et là, on est dans le plus grand des plus grands qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO quand même. Ouais. Et en fait, ici, vous avez vraiment, carrément, ça fait un petit village dans la ville en fait. Vous avez un temple, il y avait une école, il y avait des boutiques. Enfin, c'était un petit village en fait. Et ça allait encore un peu, mais moins animé, quoi. Ouais, maintenant je sais pas trop si c'est encore habité ou pas d'ailleurs. Oui, c'est habité là, les premières habitations, elles y étaient. Ben voilà. Et là-bas aussi, je crois. Et c'est super chouette. On vous montre ça tout de suite. Ah, juste pour info, on va faire la place. Juste pour info, alors donc pour venir, il faut payer. Donc c'est payant, c'est en espèces, c'est super important. Alors maintenant, nous on n'avait plus d'espèces. À 5 minutes, vous avez un ATM, donc bon, c'est pas. Franchement, c'est quand même bien fait. Ouais. Mais c'est en espèces. C'est 15 ringgit par adulte à partir de 13 ans, 11 ans. 11. À partir de 11 ans. Et c'est 1 ringgit par enfant. Non, mais c'est que dalle. Donc voilà, donc pour ça fait à peu près 3 euros adultes et quelques centimes pour les enfants. Ah oui. Voilà. 20 centimes ça fait. Sometimes.
searching for us. It's just waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Often you've had it rough, but you also had your cup filled up. And we both know, every time you come around, every time you return, you see it in your tired eyes, that you still have more to go. Bon, alors ça y est, on sort et on a eu un petit orage sympa. Oui, il n'est pas parti, hein. Il n'est pas parti, non. Il tourne mais encore. Il pleut un petit peu, alors ça rafraîchit pour le coup. Ça fait du bien. On va un peu se mouiller, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'il y a d'autre dans ce petit village. Ouais. On attend qu'il arrête de pleuvoir. Là, il pleut pour de bon, là. Ouais, alors on n'a que 5 minutes de marche pour aller manger. Bon, déjà, ça vous attend 10 minutes, donc on va attendre 10 minutes ici. Bon. Si on est malade pour aller au Vietnam, on saura pourquoi. Regardez, bon, ben voilà, on se prend la chaussée, mais c'est pas grave, c'est marrant, il fait chaud, donc du coup, c'est juste qu'on glisse un peu dans les claquettes. On a le petit orage qui va bien, la pluie, mais écoutez-moi ce bruit. Et alors autant je déteste la pluie, mais là c'est marrant parce que ça rafraîchit un peu. Et en même temps, les filles elles recherchent les chats. Ah ou les oiseaux. Regardez-moi ces rues, ces arcades. Ouais, c'est un peu Canada quand même. Ah ouais, hein, mais moi j'adore. Nicaragua. Bon, ça y est, on est installé au restaurant vegan, ça s'appelle Souper. Et alors l'intérieur est hyper simple, regardez, j'adore, parce que vraiment ça ne paye pas de mine. Hop, voilà. Et l'accueil est super. Alors moi, comme toujours, les restaurants vegan, je ne sais jamais quoi choisir. Les accueils, on n'a pas eu à se plaindre, sauf au magasin de grande chaîne. Non, mais c'est ça.
Et là, alors là, du coup, moi, je goûte des sushis. Ça, vraiment, ça m'a fait de l'œil aux fraises. Il y avait aussi mangue, mais bon, on ne peut pas tout prendre. Donc, je vais goûter un petit sushi à la fraise. Et on est en train de goûter aussi du tempeh. Parce que oui, j'en ai jamais mangé. Enfin, on n'en a jamais mangé. Et apparemment, c'est super bon. Là, ils ont commencé là, à taper dedans. Regardez. Et donc, tempeh avec une mayo vegan. Ça a l'air trop bon, donc je vais goûter parce qu'après, il en aurait plus pour moi. Voilà, super bien mangé, dis donc, le petit resto végétarien, excellent. C'était très très bon. C'était très 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 bon. Et là, on est parti prendre le dessert à China House. Alors là, donc, on est à China House. Donc, s'il faut savoir, donc, on peut manger, hein, on peut déjeuner, dîner, tout ça. Mais c'est surtout réputé pour leur pâtisserie. Ils ont, je ne sais pas combien de pâtissiers, en fait, sur place. Et tous les jours, ils testent des nouvelles recettes. Et ils ont toujours, je ne sais pas combien de choix. Donc là, c'est Julien qui a fait le choix. Donc, il y a un banana, un gâteau à la banane. Un gâteau chocolatiquement chocolaté. Et les filles, elles ont... qui ressemble à des esquimaux, mais ce sont des gâteaux chocolat, noisettes, hein. Tout ce qui passe bien, quoi. Et voilà, là Julien est en train de commander un grab. On va rentrer. On a fait une bonne étape culinaire aujourd'hui, gastronomique. On n'en peut plus. Mais c'était cool, là ça y est, l'hiver s'est bien passé, il fait bon maintenant, enfin il fait refait chaud. Et c'était super sympa, c'était notre dernière, oupla. C'était notre dernière à Georgetown et ben, on est vraiment très contents de cette ville. Je trouve que c'est une ville où il fait vraiment bon juste se balader. On dirait que je suis en pleine tempête. Alors non, en fait, c'est juste qu'il pleut, il fait super chaud, il pleut, il y a un petit peu de vent, mais aujourd'hui, ça a été demi-journée. Ah, je vais y arriver, je suis fatiguée. Valise. J'ai fait mes valises. Enfin, j'ai fait nos valises. On part demain matin, je suis trop contente. Donc les valises sont faites. Bon, plus ça va, plus c'est rapide. J'ai mis une demi-journée, mais en prenant mon temps, franchement, voilà, j'ai fait autre chose à côté. Et donc demain matin, on va à Kuala Lumpur, on va dormir là-bas et on décolle après-demain. Et je suis trop, trop, trop pressée et trop, trop, trop contente. Franchement, c'est cool. On va
J'ai trop hâte de découvrir le prochain pays. Vous savez où c'est, hein, de toute façon. Sur ce, je vais finir. J'ai juste un ou deux achats à faire, pharmacie, avant de partir. Et puis ce soir, tranquille. Parce que demain matin, on va se lever pas trop tard. Voilà.